Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous disons encore une fois bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'émission Paula qui c'est la marche avec Dieu. Nous disons Dieu merci parce que encore une fois, nous opportunité pour nous là, pour nous capables partager, étudier la parole avec vous, pour permettre tout capable de comprendre mieux marcher avec Seigneur. Parce que l'on a marché avec bon Dieu, l'on a vivre une vie et de sainteté, faut que nous connaissions la parole. Et l'important, et ça fait que m'a encouragé nous pour nous toujours là dans l'émission ça pour nous capable et mieux comprendre qui sa parole bon Dieu avait dit. Parce que si nous pas comprendre sa parole bon Dieu avait dit, mon frère, si nous pas gain connaissance de la parole bon Dieu, n'a gagné en pile problème et nous pral faire en pile erreur et gain de bagaille nous ka tomber la donne, nous pas cap tomber la donne si nous te connait la parole. Donc ça est extrêmement important et c'est raison d'être émission ça, la marche avec Dieu que moi-même m'a animé pour vous et que m'a formé pour capable mieux servir mon Dieu et m'a ouvert les yeux pour moun suspend bon anana pour Suzanne. Parce que la parole de Dieu est claire, pas de complications la donne. Mais il y a des gens qui veulent compliquer pour capable mieux exploiter le peuple bon Dieu. Mais nous-mêmes, dans l'émission, ça la permet de nous mieux comprendre ce que bon Dieu veut nous faire et qui gens pour nous servir bon Dieu. Mes chers amis, nous allons parler de nos bagages qui est extrêmement important. Nous allons continuer avec la question de Saint-Esprit. Mais nous pral mettre accent sur ça l'eau rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire rempli du Saint-Esprit. Et ça ou ta carré la langue française, la plénitude du Saint-Esprit. Et la Bible enseigne nous, la Bible mande nous, la parole de Dieu exige nous, bon Dieu même lui exige nous, faut que nous rempli du Saint-Esprit. Esprit. Donc, li extrêmement important pour que nous vivions vie de sainteté pour nous capables de cet esprit, pour ne pas attrister cet esprit dans la vie. Nous déjà parlé sous rôle cet esprit dans la vie chrétienne. Jodi a nous pral parler frem sem sous et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Qui ça qui rempli du Saint-Esprit? Gen un passage qui mettait accent la donne, qui mettait accent sur ça en pile, c'est Éphésiens 5 verset 18. Éphésiens 5 verset 18, mes chers amis, qui dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Piga ou enivré tête ou de vin, piga ou boue pour sou, c'est débauche, mais plutôt que ou rempli avec cet esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Nous te dit que pour cet esprit à capable de mûrir le chrétien, nous pral plus approfondi ça, mes chers amis, jodi a dans émission hein, et l'habitation du Saint-Esprit par et l'habitation du croyant par le Saint-Esprit. Donc, il est extrêmement important pour cet esprit à ka en dedans. Pour cet esprit à capable de mûrir en dedans, mes chers amis, pas gain parlant pile sous ça, faut mener une vie de sanctification. Ou pas capable ou gagner bon Dieu et bon Dieu bon Saint-Esprit et puis pour vivre dans le péché. Li pas admissible. Et c'est peut-être ça, mes chers amis, nous pourrons regarder ça, vle dire, ça veut dire rempli du Saint-Esprit.
si vous voulez mener une vie, frère Sam, qui pour faire bon Dieu plaisir, si vous voulez mener une vie qui obéit à la parole de Dieu, faut ou quitter ou contrôler par l'Esprit de Dieu. Ma preuve, si vous voulez mener une vie qui fait bon Dieu plaisir, si vous voulez mener une vie qui obéit à la parole, faut ou quitter cet esprit contrôlé. Et c'est le cet esprit contrôlé ou capable de mener une vie qui fait bon Dieu plaisir, mes chers amis. Et c'est là quitter cet esprit contrôlé, c'est là ça ou pral capable connait ça y rele rempli du cet esprit. C'est là ça ou pral connait ça rele la plénitude du cet esprit. C'est même bagala oui, rempli du cet esprit, la plénitude du cet esprit qui veut dire ou quitter cet esprit envahi ou en tant que moun pour capable gagner une bonne conduite. Maintenant, pour capable remplir du Saint-Esprit, faut ou gagner une relation intime avec bon Dieu. Et comment pour gagner une relation intime ça? C'est la prière, la communion avec Seigneur, mes chers amis. Et pour capable gagner moment ça yo avec mon Dieu, ça pral mander du temps. C'est pas côté converti ya. C'est pas côté ou accepter Seigneur Jésus-Christ ya ou étant rempli avec cet esprit. Faut ou grandi en maturité, mes chers amis, pour capable venir un monde qui spirituel. Et ça fait m'dou, ça qu'a prend petit temps. Bien sûr, lorsque chrétien ou bien monde li converti, rapidement l'esprit de Dieu rentre dans lui. Mais maintenant, pour capable vivre, pour capable connaître ça et la plénitude de l'esprit, c'est avec le temps et ou pral quitter l'esprit à contrôler. Ou em pral doucement jodi a pour me capable fort comprendre. Pour quitter l'esprit à mener. C'est lors quitter l'esprit de Dieu mener, c'est le ça l'esprit à capable fait travail dedans ou pour le capable fort connaître ça relo la plénitude de cet esprit pour capable rempli avec cet esprit, mes chers amis. Fom dou tout gagner un paquet de temps ou servir bon Dieu, nombre d'années ou servir bon Dieu, pas bon maturité. Parce que nous connaissons le monde qui gagne n'importe 20 ans, 30 ans dans l'évangile et pourtant moun sa yo pas de maturité. Ou konnen gen moun ki genye n'importe 10 ans, 20 ans dans l'évangile, yo kan kou ti bébé. Gen moun ki gen 20 ans, 10 ans dans l'évangile, yo continue à comporter yo comme si c'était païen. Son paquet païen en dans l'église. Différence là c'est que yo en dans l'église, y a Bible en main, y a chanté, y a prié. Mais c'est pas erré. Qui veut dire c'est pas nombre d'années qui bon maturité. Parce que si ou pas quitter l'esprit dirigé ou gain 10 ans ou gain 20 ans dans l'évangile ou pas jamais voulez que l'esprit dirige ou eh bien mon frère ma sœur ou pas ka gagner maturité ou pas ka gagner maturité ça qui pral permet tout jouir de la plénitude du cet esprit. Et ça fait m'dou, gen série de moun, yo genye 10 ans, 20 ans, mais yo pa jam kite l'esprit dirige yo, yo pa jam konsakre l'eau, la
plénitude du Saint-Esprit. Yo pas jamais consacrer l'eau être rempli du Saint-Esprit parce que yo toujours fait obstacle à l'évangile. Ça c'est pour monde mes chers amis. Et ça fait tout gain de l'église. Parce que ouais ça qui problème qui vient présenter. L'on pas quitter Saint-Esprit diriger ou pas quitter Saint-Esprit mener ou pas connait la plénitude du Saint-Esprit. Ça c'est pour monde. Mais si n'a regarder pour l'église, ou connait gain de l'église tout, l'église a pas qu'à grandir. L'église là gain doit grandir en nombre. Gain pile monde, mais ou pas l'église ça spirituellement pas qu'à grandir. Pour qui ça qui fait que l'église a pas qu'à grandir? Parce que il y a un pile responsable d'église, un pile pasteur qui pas croit l'un cet esprit ou bien encore yo croit l'un cet esprit mais yo pas voulait cet esprit parler l'église là parce que nous connaît cet esprit à li jouda en pile sans faire en cachette là li pas manquer pas mettre le dehors pour et ça fait journée jour dia. Lorsque pasteur a dénoncé péché, lorsque pasteur a dénoncé ça pas bon dans l'église li, dans secteur a, lorsque bon Dieu a utilisé prédicateur pour dénoncer, moun yo dit que pasteur a prédicateur a tiré pointe. Mais moun qui met pointe là, il pas l'autre moun Saint-Esprit. Saint-Esprit li tire pointe en pile. Et l'elle tire pointe là, il tire pointe là sous au lieu pour corriger, c'est rebeller, laisse ça ou fait obstacle à l'évangile. Puisque cet esprit li jouda, eh bien qui ça quelque responsable l'église fait, yo ferme bouche cet esprit. Qui j'ai fermé bouche cet esprit? Si gagne yon pasteur kap vin prêcher, yo gen tan di pasteur a men sou ki sa pou le prêcher. Yo gen tan di pasteur a men li mwen, mba lan sa, se lan sa mwen ye. Ki veut dire que pasteur a vini, men yo tout balon blocage pou dil men ki li mwen. A ce moment, si cet esprit te di pasteur a prêcher sou homosexualité, et puis mon nandou li par lui-même c'est bénédiction, li par lui-même c'est réconfort, li par lui-même c'est consolation. Et mais le ça pasteur a pas qu'à prêcher, c'est soit qu'il accepte rentrer dans ça pasteur responsable a dit là ou bien virer d'où là. Mais qui sont venus remarquer yo marre bouche Saint-Esprit, et l'homme marre bouche Saint-Esprit, l'église n'a pas qu'à grandir spirituellement. Pour qui ça? Parce que ou pas bail cet esprit chance pour lui exprimer, mes chers amis. Et nous connaît cet esprit là pour le dénoncer péché. Et le cet esprit a parlé, la manière tout ça qui sensible. Et c'est ça que fait, il y a une série de dirigeants qui pas d'accord pour cet esprit parler. Et l'on pas d'accord pour cet esprit parler, l'église ou pas qu'a grandi, et même membio y a kokoubé. Même membio a kokoubé. Donc, pour capable remplir du Saint-Esprit, faut quitter l'esprit, bon Dieu contrôlé. Pour l'église d'être capable de grandir, faut quitter l'esprit, bon Dieu, exprimer dans l'église là, pour l'église là, capable de grandir, mes chers amis. Donc, plus ou bloquer Saint-Esprit, c'est plus, mes chers amis, ou ap enterrer tes tout spirituellement, mes chers amis. Donc, pour capable grandir en maturité, mes chers amis, faut que ou soumettre ou au contrôle du Saint-Esprit. Laisse ou préparer ou pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ou préparer pour ça depuis, ou accepter pour cet esprit contrôlé. Maintenant, frère, monsieur,
gagner deux aspects pour connaître la question plénitude du Saint-Esprit. Parce que rempli du Saint-Esprit, capable de manifester de deux manières. Ok? Parce que, ou quand dans nos monde a parlé, ou bien pendant mon a prêché, et puis vous voyez, vous regardez, ou est mon rempli avec Saint-Esprit. Pendant un moment, mon Dieu capable d'utiliser un monde pour remplir du Saint-Esprit pour un moment pour qu'il fasse un bagage. Nous quand on a un service, ou quand nous avons des leurs, un serviteur, soit la prêche ou bien la chanter, et puis il remplit du Saint-Esprit, et puis il bon prophétie. Il y aurait ça, mes chers amis, une plénitude ponctuelle. Seigneur, il doit être capable de remplir le monde du Saint-Esprit de manière ponctuelle, momentanée, pour un moment. Pour le capable de faire un travail. Et il y a une plénitude ponctuelle ou instantanée. Plénitude ponctuelle ou instantanée. Qui veut dire pour un moment. Par exemple, quand on service de jeunes qui a fait là, et puis bon Dieu besoin de une révélation, et puis moun qui a mené jeune, et puis pendant la chanter, et puis le Saint-Esprit remplit pour le moment, et puis rapidement, mon Dieu, utilisez-le pour le bail un message dans le jeune ou bien groupe de prière, pour le parler avec le monde spécifiquement. Vous changez, madame, moi, littéralement, cette première et petite moi, Catherine, et puis la longue jeune, pendant prière, et puis gagner une dame qui est dans le jeune. De manière ponctuelle, instantanée, il est rempli du Saint-Esprit et puis il dirige contre madame. Et puis il m'a madame, il prie. Il prie et il y a une autre fille enceinte. La prière ça. Le dame fin fait ça, l'esprit fin rempli, il prie pour tout le monde qui l'envoie madame. Il y a l'autre fiancée qui dit « Apporte pas vine prier pour moi tout souvent moi. » Et dame répond « Non. » C'est rempli, rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit « C'est côte madame ça va pour m'aller pour me faire. » Il n'y a pas de dîme pour l'autre monde. Donc, ouais, de manière ponctuelle, l'esprit est capable de saisir mon nom. Bon Dieu capable de saisir mon nom avec l'esprit pour mon nom capable de faire un bagaille. C'est ça, et l'eau là, bam! La plénitude ponctuelle ou instantanée, mes chers amis. Donc, bon Dieu prend contrôle entièrement. Il prend contrôle entièrement. Il prend et entièrement contrôle, mes chers amis, mounan, dans un moment spécial pour le capable de faire un bagaille spécial. On dit de manière instantanée. Et n'a pas gardé, mes chers amis, lorsque Zangelan, mes chers amis, te vin annoncer Zacharie que madame ni pral enceinte, mes chers amis. Le ange paraît sous Zacharie, la parole de Dieu dit où, mes chers amis, lorsque l'ange là lui paraît devant Zacharie, il n'a pas ça et ça qui est important. Nous pral parler de rempli du Saint-Esprit. Lorsque l'ange là paraît sous Zacharie et lui pral annoncer Zacharie que madame ni pral enceinte, Zangelan dit Zacharie, ti moun ki pral fèt la, men ki jan pou ou servi avèl. Si nap li lan Luc 1er verset 15, ou wè ke Zangelan dit Zacharie, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Zangelan dit, ti bébé ça qui pral fait là, Zacharie, depuis l'enfant maman, l'a bien rempli du Saint-Esprit.
Qui veut dire que depuis l'inventement, la guette est contrôlée par l'esprit, mes chers amis. Donc c'est ça. Donc, vous comprenez. Qui veut dire que Zanjan dit Zacharie ça, il dit le timoun n'a sorti, le timoun n'a fait, les papes gen droit pour le boire du vin, les papes gen droit pour lui prendre bagaille, les cœurs ta fia, parce que non, et où est Paul là, tu dis ça, ne vous enivrez pas de vin. Alors c'est peut-être ça, Zanjan dit Zacharie, le fait, pas le vin timoun dans l'alcool. Il n'a pas le droit de boire l'alcool, parce que l'a rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a contrôlé Timoun Zahar. Rempli du Saint-Esprit de manière instantanée. Et ça n'a pas gardé là. Par exemple, l'Élisabeth vit enceinte. La parole de Dieu dit que Élisabeth était remplie du Saint-Esprit de manière instantanée. Ah, en nous gardant pour nous, l'un qui versait que il dit que Élisabeth est remplie du Saint-Esprit de manière instantanée. N'a pas gardé dans Luc 1er, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qui veut dire les Maries. Maman Jésus vit noué Élisabeth qui t'a porté Jean-Baptiste tout lui-même. Marie t'a porté Jésus et Élisabeth t'a porté Jean-Baptiste. Lorsque Élisabeth tendait que Marie saluait, ti moun qui l'invente Élisabeth là, lui tressaillit et même côté a l'Esprit Saint envahit Élisabeth et le remplit du Saint-Esprit de manière d'Akadi instantanée, mes chers amis. Donc, c'est ça. Zacharie tout, au moment de l'arrivée, il était venu rempli du Saint-Esprit. Le nous lit le 1er verset 67 à 68, mes chers amis. La parole de Dieu dit, Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Parce que bon Dieu t'a besoin, Zacharie, bâille une prophétie de manière instantanée. De manière instantanée, il remplit Zacharie avec l'esprit pour Zacharie capable de prophétiser. Ça a eu la plénitude ponctuelle ou instantanée. Pour pendant un événement, mon Dieu capable de saisir le monde de manière brutale même. Ok, il capable de saisir le monde et puis de manière puissante. Et puis pour le faire maintenant prophétiser, pour l'esprit rentrer dans lui, pour le remplir avec du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, et pour le capable prophétiser. Et c'est ça qui vit Zacharie là. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Il y a des prophéties pour moun bay, faut qu'il rempli du Saint-Esprit pour le bay prophétie ça, mes chers amis. J'aime d'abdou tout à l'heure, il y a un pasteur qui a prêché son cher. Et puis, soudainement, elle transformé, il est rempli du Saint-Esprit. Et puis, il a prophétisé. Mais côté, il a fini de prophétiser, il n'est pas rempli encore. Si vous voulez ça, la plénitude du Saint-Esprit, mais une plénitude instantanée, mes chers amis. Bon, l'autre passage dans la Bible, là, mes chers amis, côté, il montre que groupe disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. La Pentecôte vini, et puis qui s'est gagné? Disciples, rapidement, ils ont été remplis du Saint-Esprit, mes chers amis. Lorsque nous lisons à 2, verset 4, qui dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler
en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Disciples étaient remplis de cet esprit lors de la Pentecôte. Donc, lors remplis du Saint-Esprit comme ça, eh bien, Seigneur est capable d'utiliser pour faire yon bagay pour lui en moment. La parole de Dieu dit aussi que Pierre, l'apôtre Pierre, il était rempli de manière instantanée du Saint-Esprit pour être capable de parler à peuple là. Donc pour Pierre te parler avec chef peuple là, pour te parler avec ancien yo, eh bien frère et sœur, li te bon Dieu t'est obligé rempli du Saint-Esprit pour li capable parler avec ancien yo. Parce que qui ça qui vient passer lorsque Pierre fin fait guérison, eh bien ancien yo t'es dit qui ça Pierre a fait là, qui ça Pierre a manigancé là, mes chers amis. Et le moment ça Pierre vient rempli du Saint-Esprit et lui parler à chef peuple là, lui parler à peuple là tout, et il dit puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. À 4 versets 8 à 9, mes chers amis. Donc, ouais, il y a deux situations qu'on trouve. Cet esprit capable de remplir pour que ou réponde avec une situation. Ou capable d'une situation qui grave et faut défendre tête ou mon pas qu'à défendre tête ou pour contre. Donc Seigneur capable remplir du Saint-Esprit pour joindre les mots exacts pour capable défendre tête ou. Donc c'est ça relo rempli du Saint-Esprit de manière instantanée. Si nous font coup d'œil encore mes chers amis, nous regardons dans Acte 13, mes chers amis, lorsque, mes chers amis, le magicien, lorsque le magicien t'a cherché à faire obstacle à la prédication de l'évangile. Dans Acte 13, tu as un magicien qui t'a vu faire obstacle à l'évangile. Il t'a vu faire obstacle à Paul. Parce que il n'a pas voulu Paul, pour Paul te prêcher l'évangile, pour pas venir garder business li. Et bien la parole de Dieu dit que Paul fut rempli du Saint-Esprit et puis li classé magicien en place li. OK? Et puis li mettait magicien yon côté et puis pour continuer fait travail li. Parce que Paul t'a prêché, pas qu'on ait la parole pas tout détail mais magicien il était campé en face Paul. Pour Paul pas prêcher. On garde pour nous dans Acte 13, on aller faut une Bible nous, histoire ça, n'a joindre ni dans Acte 13. Acte 13 mes chers amis, faut nous gain Bible nous avec nous, Acte 13 verset 9 à 11. Acte 13 verset 9 à 11, c'est ça. Acte 13 verset 9 à 11 qui dit versets 9 à 11. Maintenant, attendez bien, qui dit que alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, en allant dans Acte 8, plutôt dans verset 8, là, mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce, pour Paul te cap
parler avec magicien, faut être rempli du Saint-Esprit. Et elle remplie du Saint-Esprit, qui ça le dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Est-ce qu'on est sacrifié, magicien? Magicien comprenne pour le fait obstacle à l'évangile et qui ça vient passer. Paul, rempli instantanément du Saint-Esprit, ils font prophétie sur lui. Il dit peut-être sauf faire ou bien pour aveugle. Peut-être fréquenciter ça ou bien pour aveugle. Paul était obligé rempli du Saint-Esprit. Bon Dieu rempli du Saint-Esprit pour le bail prophétie. Et la parole d'où rapidement. Magicien divin aveugle. C'est ça, Aurélo, mes chers amis. Nous, la plénitude du Saint-Esprit de manière ponctuelle, de manière instantanée. Nous pralouer le nous tourner là. La plénitude, deuxième aspect de la plénitude du Saint-Esprit, mes chers amis. Et c'est ça. Qui pral montrer où. Maintenant, c'est la plénitude du Saint-Esprit de manière permanente. T'allez à nous, la plénitude du Saint-Esprit de manière ponctuelle. Bon Dieu capable de saisir un monde pour le faire un bagage pour lui dans un moment. Ça, c'est la plénitude ponctuelle. Mais nous pralouer la plénitude permanente. Mes chers amis, permanente, qui veut dire que plénitude là, l'a toujours en haut. Nous pral faire étude ça pour nous, qui j'en plénitude là pral permanente la caillou. Nous sommes gardés les ponctuels, mais qu'on y a nous pral ouais. Qui j'en pour lui permanent, qui condition pour toujours en haut, qui veut dire pour toujours rempli du Saint-Esprit. Je me dis rempli du Saint-Esprit, hein? Ou toujours rempli, c'est pas pédé marcher toute la journée et puis moi trembler et puis c'est ça rempli du Saint-Esprit non parce que c'est des monde il y a marché même tout côté il y a tremblé comme dit toujours non c'est pas vrai et pas ça rempli du Saint-Esprit nous prenons ouais ça rempli du Saint-Esprit après pause là mon Dieu béni. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, Nabdou encore oui, bonsoir et Nabdou que vous suivez émission La Marche avec Dieu. Et Jodia n'a parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Nabdou qui ça qui remplit Saint-Esprit. L'homme remplit Saint-Esprit. Nous sautons en premier partie, Fremsum, ensemble, nous sautons. La plénitude du Saint-Esprit ponctuel ou instantané, qui veut dire que bon Dieu capable servir avec un monde dans un moment pour le remplir du Saint-Esprit pour le capable bailler un message. Donc c'est ça qui est la plénitude du Saint-Esprit de manière et ponctuelle ou instantanée. Maintenant deuxième aspect. C'est la plénitude du Saint-Esprit de manière permanente.
Laisse à l'esprit à pas veiller un moment pour le capable. Rempli ou avec l'esprit, bon Dieu pas rempli ou avec l'esprit pour le moment, mais toujours rempli du Saint-Esprit. Maintenant, qui condition pour capable toujours rempli du Saint-Esprit? Jean Doulan, c'est pas rempli du Saint-Esprit pour toujours rempli du Saint-Esprit, faut toujours trembler. Parce que moi, j'ai essayé des mounes, yo l'en la rien, avant yo parler, l'esprit prend yo. Yo kap dou moun bonjour, avant rien, et puis oui, l'esprit prend yo. Reprenons ça, l'esprit pas fonctionner comme ça. Je vais vous montrer qui sacré les plénitudes permanentes du Saint-Esprit. La plénitude permanente du Saint-Esprit qui s'allie, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. L'on remplit du Saint-Esprit de manière permanente, de manière continuelle, c'est un mode de vie, mes chers amis. C'est ça. Donc, il est extrêmement important, lorsque vous êtes chrétien, pour quitter l'Esprit bon Dieu conduit. Et lorsque quitter l'Esprit bon Dieu conduit, il est toujours à conduire. Et l'elle conduit, parce que normalement elle a conduit, l'a indiqué où ça pour faire, l'a indiqué où ça pour pas faire, et puis l'heure où obéit à ça que lui dit, à ce moment, vous êtes en train de vivre la plénitude du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit de manière continuelle, parce que toujours où obéit à ça l'esprit de Dieu dit ou sous pral fond bagaille li pas bon l'esprit de Dieu dou ça pas bon ou gétan corriger ou pas faire et bien kounyan là ou son moun k'a marcher avec mon Dieu mon toujours rempli du Saint-Esprit parce que ou toujours obéi à ça l'esprit dou dans la vie ou. Donc rempli du Saint-Esprit de manière continuelle c'est pas trembler c'est l'obéissance. Et ça fait parole là dit dans Luc 4 verset 1er. Il est donc que Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ouais, c'est l'Esprit conduit Jésus dans le désert. OK? Pour le faire expérience. Et ou même en tant que chrétien, nous sommes des disciples de Jésus. Si Jésus s'est laissé conduire dans le désert pour aller faire une expérience, nous devons aussi nous laisser, faut qu'on quitte l'Esprit bon Dieu dirige tout, mon frère, ma sœur. Donc c'est ça. Parce que regardez pour eux, il y a des monde dans la Bible, ils ont quitté l'Esprit bon Dieu dirige. Si l'Esprit bon Dieu dit yo pas doué à tel côté, yo pas doué fait tel bagay, yo obéi. Mais ça veut dire que moun sa li rempli du Saint-Esprit parce que li obéi à la parole de Dieu dans tout aspect en ville. Est-ce que nous comprenons ça? Ça veut dire rempli du Saint-Esprit de manière continuelle ou toujours gain l'esprit ou toujours rempli parce que obéi ou obéi. Donc, l'on convertit l'Esprit de Dieu dans où? Ah, il est dans où? Mais il doit dans où? Ou pourquoi? Jouit de la plénitude du Saint-Esprit. De manière continuelle. Il est capable dans où? Attendez, bien ça m'a dit, oui. Il est capable dans où? Pendant l'an où? Pendant que ou a chanté, pendant que ou a prêché, et puis de manière spontanée, et puis saisi ou pendant l'activité pour le bon prophétie. Après ça, ou rempli, après ça, il est toujours en oui, mais ou pas rempli. Mais qu'on y est pour toujours rempli, pour toujours gain. La plénitude du Saint-Esprit dans vous, il faut obéir à la parole. Parce que il y a des gens, bon Dieu servit avec de manière ponctuelle pour bailler un message, parce que bon Dieu besoin bailler message là, mais les gens ne sont pas jamais remplis du Saint-Esprit, parce que il toujours fait obstacle à ça, Saint-Esprit dit. Il pas jamais obéi. À ce moment, depuis ou la rébellion, ou la désobéissance,
ou pas capable, frères et sœurs, rempli du Saint-Esprit, mes chers amis. Et ou gen Barnabas, mes chers amis, yo dou que Barnabas c'était un moun qui était conduit par le Saint-Esprit. Le nous garder Acte 11 verset 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Ah, Barnabas, c'était un homme de bien, rempli, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Acte 11, verset 24, mes chers amis. Donc, l'on quitte l'Esprit, bon Dieu, dirigé, l'on obéit à la parole de Dieu, eh bien, plénitude continuelle là, la plan ou et la ba ou yon bon témoignage. C'est moun ki kite yo dirigé par l'esprit, c'est moun sa yo kap genye yon bon témoignage. Est-ce que nous là, frères et sœurs? Donc faut kito dirigé par l'esprit. Si yon moun a vive dans le péché, ou a fait ça pas ça, ou pas capable rempli du Saint-Esprit. Parce que ou en opposition à cet esprit. Mon frère, ma soeur, si ou l'en péché ou l'en mauvaise situation, est-ce que ou capable rempli du Saint-Esprit? Parce que pas oublier du Saint-Esprit, il est là pour convaincre monde de péché. Donc s'il est là pour convaincre monde de péché, il n'est pas dansé pour les péché. Donc quand il y a soit paix des péchés ou a fait ça pas ça ou l'en adultère ou l'en fornication ou l'en coute langue sous monde ou l'en parler monde mal ou l'en bail monde et écoute l'en pour prendre place yo ou gain jalousie dans cœur ou gain haine dans cœur et bien à ce moment ou pas capable vivre la plénitude du cet esprit parce que cet esprit a pas danser coller avec bagay sa yo parce que cet esprit a dou faut retirer bagay sa yo l'en ou donc li extrêmement important pour obéir à la parole et puis pour capable vivre cet esprit faut continuer obéir à la parole pour capable vivre la plénitude du Saint-Esprit. Mais sans pas obéir à la parole. Ou a fait ça pas ça, ou capable l'église là, ou a chanté le choral là, ou capable sous chair, ou a prêché, mais le Saint-Esprit l'y a tristé l'en ou, mes chers amis. Donc, c'est un bagaille que Saint-Esprit pas d'accord avec elle. Il n'est pas d'accord avec elle, mes chers amis. Donc, bon Dieu, il remet pour remplir du Saint-Esprit. Si vous remet rempli du Saint-Esprit, toujours rempli du Saint-Esprit, il faut obéir à la parole de Dieu. Donc, il faut comprendre, frère et soeur. Saint-Esprit a les saints. Oui, pour t'arrêter, saint. Esprit. Donc, qu'on y a, mes chers amis, est-ce que vous êtes capable de continuer à pratiquer, par exemple, dans l'église là, adultère, pour accoucher avec madame l'autre monde dans l'église là, et puis pour soucher, et puis pour dire où est cet esprit? Gagne des nègres, c'est bluffeur dans l'évangile, oui. Bluffeur par excellence. Nègla a couché à moun dans l'église et puis elle souchait la parler en d'autres langues. Et ça fait gade les ou pas prendre au sérieux. Parce que ou pas qu'elle a tout ça pas bon et puis pour dire moi parler en d'autres langues. Ça sont d'autres langues ou forcer parler ou inventer parce que moi gade nèg ou batata ba 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 ba. Écoutez, attention. Et pas ça
Son signe pour nous que cet esprit n'a pas de bonnes langues, non, vrai. Il n'a pas d'autres langues qui sont bonnes, mais il y a des forcés à forcer par d'autres langues pour être capable de pressionner dans le monde, alors qu'il y a vivre le péché. Vous comprenez? Il n'y a pas de bons mots, il n'y a pas de bonnes paroles sans pas parler d'autres langues. Écoutez, vous comprenez? Et pour théâtre, nous venons faire bon ici. Et pas théâtre ou pas comédien. Donc pour remplir du Saint-Esprit, il faut vivre dans la sainteté. Pour remplir du Saint-Esprit, il faut vivre, mes chers amis, dans la sanctification. Ou pas qu'à vivre dans le péché ou dans l'adultère. Je suis obligé de mettre un pile accent sur l'adultère parce que les bagages sont en pile dans l'église. Ne qui pas satisfait avec madame, yo, mais qui a couché l'autre jeune fille dans l'église. Et ou même ti jeune fille qui l'a dit, quand il y a un marié dans l'église, ou tourne adultère tout. Et la Bible condamne ça. Il condamne ça dans Hébreux 13, verset 4, un paquet de passages qui condamne ça. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 4, mes chers amis. Donc, ou pas capable de coucher madame Moon. Et ou même madame, ou pas capable à coucher avec mari moun, ou à craser foyer moun, et puis pour l'église. Gondeg, aux amis qui posent une question ça, et sous Facebook, pour dire, est-ce que les bagages sont probables? Dit monsieur Gélé Golon, rêve! Comment si bagages sont probables? Ça, c'est monnaie courante dans l'église, là, oui. C'est monnaie courante dans l'église, mon Dieu, ah oui. Il y a une série de films qu'on est, qui l'en chorale, qui l'en groupe, Bible en main, et puis il a crasé foyer moun, oui. Il a pris mari moun nan men moun, oui. Et puis il a prié, mon Dieu, oui. Il y a même un groupe de prière, oui. Il y a parlé en d'autres langues, oui. Ah, il y a parlé en d'autres langues. Et puis action, c'est pas grave, oui. Ça, c'est pas rempli du Saint-Esprit, ou possédé à des démons. Il y a des gens qui parlent d'autres langues, c'est des gens qui dansent dans la tête. Parce que il y a des bagages qui ont fait dans la communauté chrétienne. Et bien, rempli avec cet esprit, c'est des gens qui possèdent. L'on parle d'autres langues, c'est des gens qui parlent sur vous. Non, il y a des bagages qui ne doivent pas faire. Il y a des bagages qui ne doivent pas faire. Et ça fait que, bon Dieu voulait que pour corriger, mes chers amis. J'en ai vu pour corriger. Gen de nègres dans l'église, mes chers amis. En dans même l'église, là, oui. Li gen ta passé n'importe 10 ménages. Et là, où passe 10 ménages, c'est pas marié, mais pas ménage, garder une ange, l'amour platonique. Non, li gen ta couché avec 10 femmes dans l'église, là. Et puis, il y a une révélation, c'est pas. Et pas ça, bon Dieu, t'es choisi. Il prend l'autre et puis il dit, ça, et pas ça, Seigneur, t'es choisi. C'est allé. Il finit de faire coucher, lui. Il veut dire, Seigneur, voyez tester chaque. Ça n'est pas Saint-Esprit. Là, on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ou rempli avec démon, ou possédé avec démon. Non. Ça, ou pas cap continuer comme ça. Et ou pas qu'il soit conduit par le Saint-Esprit. Et c'est sacré l'eau, ou à pécher contre le Saint-Esprit. Parce que ça, on fait ou fait avec ferme conviction. Donc, l'on vive la plénitude du Saint-Esprit, mes chers amis. L'Esprit, bon Dieu, il produit fruit à l'en haut. Il produit bon fruit l'en haut. L'on remplit du Saint-Esprit. Et pour remplir avec le Saint-Esprit, mes chers amis, ou pas capable bon fruit. L'homme on rempli à du Saint-Esprit, fruit que la baille. A montrer que moun sa li rempli avec le Saint-Esprit. Parce que fruit Saint-Esprit a, c'est l'obéissance. Fruit Saint-Esprit a bail, c'est quitter péché. Fruit Saint-Esprit a bail, c'est quitter voler. Fruit Saint-Esprit a bail, c'est quitter stratégie pour faire comme en bas. Fruit Saint-Esprit a bail, c'est quitter exploiter peuple là.
fruit Saint-Esprit a bail, c'est qui était couché adolescent dans l'église, pasteur. Fruit Saint-Esprit a bail, c'est suspendre, tromper Marie ou qui pasteur, madame pasteur. Soit tromper Marie ou, hein? Ou a tomber Marie. Regardez, où t'es bête à le cacher dans l'île Tic, diable à Babylon. Ou te met à l'couchon nèg jis en Chine. Ou quitte Haïti ou à l'couche avec jis en Chine. Puisque ou dit ou se chrétien. Et n'y a veye ou en Chine a bon jet quand même rapport pour rapporter le en Haïti. Il est au Kembo frère sem nan. Et ça pas gen de l'eau pour la ou a sorti ou parce que diable a se avili pour la vili ou. Ou est péché à douce mais la pas vili ou. Papa Vilou, laisse ça ou pas qu'à dire son monde rempli à Saint-Esprit. Depuis au gado, fruit ça, c'est pas fruit Saint-Esprit. Ça, c'est fruit la chair. Ça, c'est œuvre la chair. Est-ce que nous comprenons? Et ça fait pas, on l'a dit, dans Galates 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ce sont les fruits de l'esprit. Sou pas qu'à maîtriser tête ou ah non, ouais, la tempérance. Si tu critiques la kougen ta neve, tu critiques la kougen ta joure, non, ou pas qu'il t'ont contrôlé par l'esprit. Si tu critiques la kougen ta machin pisquette, ou pas contrôlé par l'esprit. Mon qui est contrôlé par l'esprit, il est patient, il est calme. Et ça fait formant de mon Dieu pour qu'il soit calme. Ah oui. L'on obéit avec sa bon Dieu doux, ou pralouer ou son monde ou te kan nerve rapide, mais mon Dieu, l'esprit bon Dieu rentre dans vous, mon ne doit parler avec vous et pour calme. Ah ou calme. Mon le, mon réunion, et puis, mon m'a fait réunion avec lui, il est en montée. Montez, regardez, quand vous poussez dans la tête, il monte, même si je suis sur la table, je me calme. Et pourtant, son monde qui était très impulsif, très impulsif. Il a monté, il a monté 17 ou il a passé. Mais je calme, je quitte le monté, je quitte le monté, il parle, je me dis, un tel sac passe, font calme ou non. Son mon nerf, calmez-vous, je suis très calme. Le boom, avec tout calme, moi dis ça pour me dire me recadrer le côté pour me recadrer mais avec toute calme parce que je suis rempli du Saint-Esprit. L'on pas rempli du Saint-Esprit n'en prend l'on agit par émotion comme ça. Ou fait tintin. Ou fait tintin. Ou fait un pile macaque. L'on pas rempli du Saint-Esprit. Faut remplir du Saint-Esprit pour qu'il y ait calme devant toute situation. Et ça fait d'où les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Demandez bon Dieu pour gagner mon frère, ma soeur, maîtrise tes tout. Pour pas agir par émotion dans n'importe qui condition, n'importe façon, mes chers amis. Donc, c'est là que l'important, mes chers amis. Lorsque vous parlez de l'amour, mes chers amis, lorsque le fruit de l'esprit doux, l'amour, ouais, l'amour, la joie, la paix, on fait garder pour nous l'amour. Fon pa wè nan lan mwen dakadou bagay relation sexuelle et tendresse mes chers amis. Non. Parce que nan lan mwen pa vle di tolérance tout. Parce que celui qui aime corrige mes chers amis. Parce que de nos jours, les palo de lan mwen, ah non, fò gen lan mwen qui veut dire pour tolérer tout bagay. Pour tolérer moun nan péché, c'est ça contre lan mwen. Non, lan mwen vle di sévérité tout. C'est parce que mwen mwen qui vle me faire corriger. L'or est mon petit monde, s'ils font bagaille qui passe ça, qui j'en parle prouver le monde, c'est pas quitter le fait, au moins mes petits moi quitter le fait des autres là. Non. Ou après l'aile, ou après punir, ou après corriger pour qu'il soit corrigé, parce qu'on parle, il grandit comme ça.
Mais c'est ça fait, nous-mêmes en tant que pasteurs, nous avons une responsabilité pour nous corriger le peuple-là si le peuple-là est en mauvais chemin. Si le peuple-là est en mauvais route. C'est devoir nous pour nous corriger le peuple-là parce que nous aimons. Même si nous quittons le peuple-là bien en péché, nous sommes péchés, nous sommes bouche nous ne sommes pas peuple bon Dieu. Et ça fait bon Dieu dire dans Ézéchiel 33, verset 6, la mando sans peuple-là parce qu'on est danger ou pas d'il. Non. Donc l'esprit a lui montré l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, ou aimer prochain, ou pas détruire frère, ou pas bailler mentir sous lui, ou pas faire coup de langue sous lui. Et ou pas faire coup de langue, ou pas détruire monde pour position, pour jouer une place. Et puis, en dans l'église, ou pas parler d'autres langues, si c'est pas bailler monde mentir. Bluffeur. Bluffeur. Ou fin parler d'autres langues, même langue ça, même bouche ça qui saute parler d'autres langues, et pour reler l'autre frère, pour dire un tel te fait tel bagaille, mettez-le dehors. Mettez-le dehors dans le groupe là. Vous comprenez? Ou faire complot, faire stratégie pour retirer les gens dans la place. Bluffeur. Bluffeur. Ou pas rempli avec Saint-Esprit, frère et soeur. Donc c'est ça l'amour. Ou plutôt la joie. La joie, ce n'est pas seulement le cœur content ou en joie. Parce que l'esprit, l'on rempli de cet esprit, même l'on en difficulté, ou capable en joie. Parce qu'on rempli de cet esprit, ou l'espoir. Parce qu'on connaît difficulté, ça n'a pas duré. Difficulté, ça a son passage lié. Il faut me passer la donne pour bon Dieu former. Pour bon Dieu former. C'est ça la joie. Parce que ou capable triste et pour en joie. Parce qu'on connaît tristesse ou capable dur en pile. Ah. Tristesse ou capable dur en pile. C'est ça la joie. Et ça fait Paul l'a dit dans 1 Pierre 1 verset 6, il dit mes chers amis, c'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Quoi maintenant? Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. L'on passe épreuve là, l'on en dans épreuve là. Ou qu'on est que délivrance là pas loin. Même quand on souffre en dans épreuve là, on en joie. Parce qu'on a espérance. Il y a deux problèmes qu'on trouve, mon frère, ma soeur. Problème n'est quand tellement grave. Ah, il est grave en pile. Et puis, on a crié. Et puis, on a songé. Mon Dieu, t'es fait une promesse. Faut que tu passé par là. Et puis, on a pleuré là, au bon espoir. Parce qu'on connaît, ou pas fini mal. Parce qu'on connaît, ou pas fini bien. Mon frère, ma soeur. Mon Dieu a délivré et ou en joie. Parce que qu'on épreuve là, c'est pour yon titan li là. Le ou pas l'eau, ouais, le fruit de l'esprit, l'eau rempli avec l'esprit, la paix. La paix s'accompagne de calme. Ou capable en paix et pour en pleine difficulté. Parce qu'on connaît bon Dieu à protéger. Pendant tout le monde a fait folie. Pendant tout le monde a fait tête chaude. Et puis au calme. Pendant tout le monde a fait pression pour courir. Et puis au calme. Parce qu'on connaît bon Dieu avec. On connaît bon Dieu pas quitter un rien arrivé si ce n'est pas volonté. Donc vous êtes calme. Mais ou ka calme en dan guerre. Les redou la paix ça pas veut dire faut gain et dakadou tranquillité pas gain désordre non capable gain gros désordre mais ou même en tant que monde qui rempli du Saint-Esprit ou calme en dan tempête là ou calme en dan guerre parce qu'on connaît monde qui a suivi yo là li pa plagé yo. Et ça fait dans Matthieu 10 verset 34. Il dit, mon frère,
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter, non pas la paix, mais l'épée. Je suis venu apporter l'épée. Parce que qui s'est passé, ça, Seigneur a dit, pas quoi que je viens porter la paix sur la terre, mais je viens porter l'épée parce que qui s'est passé. L'ordre d'où c'est serviteur, mon Dieu, il y a des gens qui prennent le camper en face. Ou qu'on est de pays, il n'y a pas d'accord pour citer non mon Dieu. Pour citer non Jésus, il y a persécuté. Non Jésus, c'est m'a fait lever contre tout. Ouais, Jésus n'est pas venu porter la paix, j'ai l'homme porter là. Mais il vient porter l'épée parce que non, il va le susciter haine. Des pour dire où c'est chrétien, il y a des gens qui cherchent à tuer dans certains pays. Et ça fait dire, mon Dieu, merci que. Ou à vivre dans un pays côté yo bord liberté religieuse ou capable d'exercer foi mais il y a des pays moun pa ka exercer foi yo. Donc le a persécuté ou pour ça pas bon ou à paix yo capable pas persécuté pour foi chrétienne mais là en dedans travail là ou ka joindre moun en dedans travail là ka persécuté qui sorti pour faire perdre du job. Les ça ou tellement rempli du Saint-Esprit ou qui te wap conduit par l'Esprit ou était calme. Parce que l'idée est faut perdre du job. Et même s'il réussit, faut perdre du job, c'est pour bien. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon monde qui faut perdre un job, faut te perdre du job là pour bon Dieu, t'as bon promotion pour venir directeur. C'est même genre avec Joseph, Madame Potiphar. Hein? Ça qui passe. Faut que Madame Potiphar te accuse Joseph même. Pour te kavoye Joseph la prison. Hein? Pour Joseph kavin chef Madame Potiphar. Gen des coups de pied au baou. Mon cher, vous voyez ou dans destiné. Ça, c'est une parole célèbre. Frère Oudi. Il dit gen des coups de pied au baou. Vous tout voyez ou dans destiné. Dixit ou dit février. Ah oui. Dixit ou dit février. Donc, frère Sem, souhait au bon coup de pied, il était calme. La paix. La paix. Parce que ou rempli du Saint-Esprit, ou quitter cet esprit maintenant. L'autre fruit de l'esprit, l'on rempli du Saint-Esprit, frère Sem, la patience. La patience, mes chers amis. Le bon Dieu fait une promesse et pour attendre ou pas, j'en moué rien. Année à passer, l'on rempli du Saint-Esprit ou vine patient pour tendre le bon Dieu choisi pour l'y lever, mes chers amis. L'on patient ou constant ou pas changé. Il y a des gens qui ont parole journée jodia, demain si Dieu veut, ils ont l'autre parole. Non. Toujours réfléchis sur ce qu'on dit. Et ça fait toujours bail conseil, pas courir faire mon promesse. Plutôt qu'un des promesses ou encore et pour faire mon non surprise. Parce que quand il y a circonstances, l'on fait mon non promesse et puis même qu'un beau pas qu'à qu'un bel ou même. Même qu'un beau pas qu'à qu'un bel. Non. Donc, faut ou constant dans ce qu'on fait, faut ou patient. Les bon Dieu d'un bagay, pas courir, pas chercher aider bon Dieu. Ça pour faire, c'est préparer ou. Ou même ce mois, bon Dieu promet un mariage, rester sous genou et puis préparer en tant que femme pour son femme complète. Et pas femme de bureau pour y seulement. Mais il faut gagner 10 douettes ou tout. Si vous n'avez pas 10 douettes ou à long cours de cuisine pour parer 10 douettes ou pour que vous ayez manger, pour que ce pas servante qui vient faire manger pour lui. Et si c'est servante qui fait manger pour lui, c'est pour montrer ses ventes dans Jean, faire manger pour Marie ou. Pour ses ventes dans Paroué, qui sont bonnes à rien. Donc, vous préparez. Ou même jeune garçon, bon Dieu, font promesse, mettez bête sous vous. Mettez connaissance dans tête pour bon Dieu capable d'utiliser ou pour aller plus loin avec ou. Les promesses là accomplies. Donc, faut que patient, là où est passé, bon Dieu, la préparer. Parce que faut bon Dieu préparer. Gardez la patience, bon Dieu, après tirer orgueil la caillou. La faut vivre une série de bagages pour retirer orgueil. Parce que s'il prend le métro dans la place, là, orgueil a tellement pété fiel ou tout y était tout. Parce que gardez les nègres qui tellement de orgueil. Bon Dieu passe avec trois bouts.
yo pas vle rete la classe là et puis yo rive et puis orgueil pété fiel yo. Mais gade bon bon Dieu prend temps. Il prend temps pour le former. Pour le rive pour moun sa pa jam ka leve tête li devant bon Dieu pour dire que c'est l'Éternel que cela est venu pour pas gagner orgueil. C'est ça ou rempli ou est tout travail et cet esprit a fait di rempli ou du cet esprit. Rempli ou ah, frère, monsieur, les belles bagailles, oui, l'on a rempli du Saint-Esprit, ou quitter bon Dieu, mon frère, ma soeur. Ok? La bonté et la bienveillance, l'y appliquer à des actions bénéfiques, mes chers amis. Ça, c'est ça. La bonté, la bienveillance. Donc, si vous perdez du job, si vous n'en faut perdre du job, moun nan fait révoquer ou mes chers amis. Il faut perdre du job. Mettez calme, pas besoin raïl. Parce qu'on remplit du cet esprit. Toujours mettre ça dans la tête. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moun nan médite pour faire mal. Et puis, bon Dieu fait bien sortir la dame. Et c'est baraki qui a excité mon nom. Il était vle fort mal. Et puis, il a gardé. Il a son bien fait pour bon Dieu changer mal là. En bien, mes chers amis, la bonté de l'Éternel, la bonté. Parfois, nous capables de bonté à vrai, l'on perd du travail, l'on perd du avantage. On dit mais quelle bonté l'Éternel là, il a, côté lui là. Mais mon Dieu, qu'a faut perdre du travail parce que mon Dieu est en ouais, il parle tout yo. C'est la bonté de l'Éternel. C'est la bonté de l'Éternel. Dieu est un Dieu bon. Il nous protège, mes chers amis. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, frères et sœurs, si nous n'avons pas un monde spirituel. Ça m'a dit là, le monde ne peut pas comprendre. Ni. Pas rien ne peut pas comprendre, parce que il n'y a pas l'esprit, mon Dieu, dans lui. Et s'il n'y a pas l'esprit, mon Dieu, dans lui, il ne peut pas comprendre. Et ça fait Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge, mes chers amis. Donc, pour remplir avec Saint-Esprit, frères et sœurs, faut quitter bon Dieu. Mais non, faut quitter cet esprit dirigé, faut quitter cet esprit conduit, mon frère, ma soeur. Il est extrêmement important pour pas vivre dans le péché, mes chers amis. Faut quitter cet esprit à habiter l'un ou même. Oui, faut qu'il habite l'un ou même, mon frère, ma soeur. Donc, l'elle habite l'un ou même, j'aime d'où l'un, ou pape même moun encore ou pape même type de moun encore parce que parole là li enseigner nous que cet esprit a li habité en nous mes chers amis li habité en nous li habité en croyant yo mes chers amis et parole là nous depuis que ou accepté Seigneur comme sauveur personnel ou gain cet esprit. Quand toi, c'est à oublier cet esprit. Mais qu'on y a pour vivre la plénitude du Saint-Esprit de manière continuelle, qui s'est passé? Faut qu'on marche dans l'obéissance, mes chers amis. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça qui est important. Et depuis oublier cet esprit là où cet esprit-là la prépare dans le monde, dans le cœur. Ou a une sensibilité pour le monde. Ou a comprendre le monde. Ou pas faire le monde n'importe qui bagaille. Lorsque cet esprit-là, ou pas humilier le monde. Ou pas faire combinaison pour détruire le monde. Ou qu'on ait gagné le monde, mes chers amis. Moun nan tellement rancunier, moun nan te fait yon bagaille. Et puis, li kembe ça dans le cœur. Et puis, la chercher venger. L'a chercher venger. L'a chercher humilier moun.
Bon Jean, bon Dieu béni, pas servi avec bénédiction, bon Dieu, pour humilier moun, pour venger ou, pour aller dire moun, mais côté m'teye, il y a des témoignages ou bail, c'est pas témoignage pour faire grandeur, bon Dieu, pour faire ouais, grandeur, bon Dieu, ou bail témoignage là, pour qu'a fait sortir orgueil. Les ça ou pas rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit pas rété la caillou. Et soit fait ça, Saint-Esprit obligé faire mes cols parce que ces œuvres la chair que vous fait. Parce que Paul l'a dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Gen des bagay wap fè, mon frère, ma sœur, c'est l'esprit du diable qu'on gagne. Ou pas gen l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la chair, c'est la chair qui a mené. Gen de action qu'on moun fè, ou est ces actions la chair, li pa gen fruit l'esprit a nan li, mon frère, ma sœur. Donc c'est ça. Dans Romains 8, verset 9, nous soutenons, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Sourez mes zins. Ah non, vous n'avez pas le droit de faire ça, pour vous dire, non, il faut que vous soyez un monde qui est capable, direct, sincère. Surtout pour leader. Leader chrétien, si vous faites des choses, pas ou elle et puis pour boli pour et puis ou elle parler le mal à l'autre monde rele moun nan directement pour parler avec elle pour dire ça fait pas bon. Bien des leaders me connaît yo lâche yo pas capable parler à moun nan mais a craser do moun nan pour qu'ils soient pas rele moun non parler avec elle hein parler avec elle au lieu craser do au lieu détruire yo rele ça lâcheté et parole l'a dit vous n'hériterez pas royaume mon Dieu, si on lâche. Ah non. Faut qu'on compte qui gens pour contrôler, mes chers amis. Donc, c'est ça. Ou pas capable d'alimenter division. L'orgueil Saint-Esprit, ou rempli avec Saint-Esprit. Ou pas capable d'alimenter division pour agir même gens à païen. Pour en dans l'église là, pour pas alimenter, pour faire clan. Ça c'est clan pam, ça c'est clan pas tel, si l'autre là clan tel, on pas parler avec elle. Bon Dieu condamne moun qui a provoqué division. Ou qu'on est chef division, c'est Lucifer. Pour être capable chercher pour le prendre royaume mon Dieu à l'en mêl. Qui ça le fait? Là le déye fait un coup d'état, là le fait division, là le diviser. Zanjo pour le cabaye coup d'état. Nèg kap krasé l'église pour aller faire l'église pa yo. Nèg kap fann l'église pour aller faire l'église pa yo. Nèg kap prend tête. Peuple là pour le fann l'église là pour aller faire l'église pa yo. Ou pas rempli du Saint-Esprit mon frère. Sous besoin font l'église à l'on côté loin évangéliser et moun ki konverti ou a faire l'église ou a commencer l'église avec ou pas ka gen convoitise pour sous l'église moun nan même quand te gen erreur la fait mais koun ya ou vini c'est ou gen mon Dieu et pour fann et pour parti ou ali avec elle. Ça c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Si ou pas d'accord à l'église là, si ou pas d'accord avec sa pasteur à faire, virer dos ou aller, mais pas semer division, malheur à qui le scandale arrive, ou pas gain Saint-Esprit. Ou pas gain Saint-Esprit, mes chers amis. Ou elle a pas, et ça fait gain de l'église qui pas d'accord pour y enseigner Saint-Esprit dans l'église là, parce que Saint-Esprit a même, c'est démenti, l'a démenti, l'a mette tout caca chat dehors. Ou qu'on est en toilette chat senti. Toilette chat senti à pile. Et bien cet esprit l'offre fait teinter. Hein? Ou couvrir, et bien c'est quand on caca chat bien. La fait sent en sortie. Il n'y a pas vilou quand même. Diable a été sale, il n'y a pas vilou quand même. Donc, mes chers amis, ou pas capable
gain cet esprit pour agir, pour vivre la plénitude de cet esprit, faut marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, mes chers amis. Qu'on y a question qu'à poser, est-ce que si chrétien sous péché par exemple, sous péché, est-ce que cet esprit peut aller? Est-ce que cet esprit peut aller? L'apôtre Paul dit sous péché, le Saint-Esprit pas quitter ou, mais ou capable attrister le Saint-Esprit. Sous lit 1 Corinthiens 6, si n'a regardé dans 1 Corinthiens 6, mes chers amis, et ça fait étude là, c'est très important pour suivre étude biblique yo. Pour suivre étude la marche avec Dieu, c'est pas chita attendre seulement bon Dieu pral bénou, mais faut qu'on la parole pour capable corriger tête nous. 1 Corinthiens 6, mes chers amis, en nous garder pour nous, 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6, Paul a dénoncé péché corinthio. Paul a dénoncé péché corinthio dans 1 Corinthiens 6. Donc le Paul dénoncé, on garder ensemble, t'as souhaité comprendre et bibou, mais m'a chercher là rapidement pour me joindre ni pour vous, pour nous gagner du temps. 1 Corinthiens 6, OK? 1 Corinthiens 6. Tendez, il dit: quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et c'est par vous que le monde est jugé? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et ne jugerions-nous pas à plus forte raison et nous ne jugerions-nous pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc, il y a des bagailles ou pas qu'à faire l'orgue de cet esprit, ou pas capable qu'on y a son différend avec frère pour mener devant le tribunal. Faut chercher à résoudre le problème là en nous-mêmes ou bien en vague. Quittez ça, mes chers amis. Donc, ou capable, l'on lit tout passage là net, mes chers amis. Il lit tout passage net. Ou pas le Paul Abdeye corrige Mounio. Et le pral dit Mounio, l'enfer, hein? Pas oublier. Malgré tout péché ça nous fait. Pas oublier, il dit dans verset 19 là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Malgré Corinthiens où tu as fait tout péché ça, Saint-Esprit allant yo toujours. Mais yo attristé Saint-Esprit. Saint-Esprit a il pas voler gagé. Et ça fait c'est Saint-Esprit qui pral parler avant pour le faire quitter péché. C'est Saint-Esprit qui pral toucher cœur. Mais qu'on y a faut ouvert au Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit a pas l'avant pour tendre et pour agir. Mais il y a des monde malheureusement qui fait obstacle à cet esprit. Ils bloquent cet esprit. À ce moment cet esprit attristé. Cet esprit attristé. Donc, c'est ça Paul dit. L'elfine ba l'on lit tout 1 Corinthiens 6 là, ou après tout péché yo, et puis le verset 19 là dit changer que corps nous c'est temple cet esprit dans nous pas attrister cet esprit là. Donc, l'on péché mon frère, ma sœur, cet esprit pas voler gagé. Il a oui. Mais qu'on y a fort repenti. Mais soit persister dans péché là. Mais soit persister, ou défendre lui. Qui veut dire, comme si on péché avec conviction. À ce moment, on peut tomber sur le coup du jugement du Saint-Esprit. Ah non. Du jugement, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Des bagailles qui privées. Donc, nous comprenons. Faut nous obéir. Pour remplir avec cet esprit, faut obéir à ça. Bon Dieu dit, on pile bagaille pour nous dadou là, frère, monsieur, mais tant. N'est pas favorable, mes chers amis. L'aime du temps pas favorable, c'est que je dis que nous manquons temps. Et ça fait nous obliger de faire deux émissions sur l'esprit, sur le Saint-Esprit. Donc, faut que nous, frères et sœurs,
rentrer dans nous-mêmes, obéir à cet esprit, garder vie nous, font introspection à vie nous, pour nous capables de corriger la vie et pour mon Dieu capable de passer avec nous. Oui, cet esprit est important. Cet esprit là pour dénoncer péché. Soit dénoncer péché. Si cet esprit a dénoncé péché et va vivre dans le péché, ou pas tristel. Pas faire même bouche cet esprit dans la vie. Ou même dirigeant l'église, pasteur l'église. Suspend by prédicateur passage. Suspend dit prédicateur prêcher sous tel bagaille. Ou pas loin sur l'église qui pas chita sous cet esprit. Des pour ces monde qui paient message, y a marre bouche monde. Yo pas inviter l'autre monde venir prêcher. Comprenez? Y a pas inviter ti clic yo pour yo ka di ça ouvrir tande ya. Comprenez? Mais chercher parce que cet esprit Judas, on dit ça encore. Cet esprit Judas ou te met fait sauver des pour pécher la mettre le dehors. Cet esprit Judas des pour font bagaille en cachette la mettre le dehors. Ça il est important faut qu'on elle. OK? Cet esprit li Judas, quel que soit sauf faire la mettre le dehors. Amis, c'était un plaisir pour nous d'avoir n'a mettre fin à l'émission. Et jodi a nous te parler sous la plénitude du Saint-Esprit pour remplir avec Saint-Esprit qui ça pour faire nous te wel ensemble et moi côté apprendre en pile appliquer ça nous dit et bon Dieu a pas manquer pas bénir m'abdou au revoir à la prochaine n'a font coup de prière comme d'habitude pour nous capable mettre fin à émission la marche avec Dieu Seigneur Loulou merci pour monter au merci pour miséricorde, merci pour grâce qu'on ba nous. Ou te permet nous là, Seigneur Dieu, pour nous capables et partager, étudier la parole de Dieu avec peuple éternel. Nous demandons à bénir chaque auditeur de cette émission, chaque supporteur de cette émission. Nous demandons à bénir, Seigneur Dieu, moun qui supportait nous, Seigneur Dieu. Et moun qui t'a remis supporter nous, pas gagner l'éternel des armées, demandons à mettre la main, Seigneur, parce que l'évangile, l'égratisme et l'évangélisation, hein, l'écouter. Nous disons merci Seigneur, merci pour la possibilité côté nous, pour nous là. Qu'aimez-nous la présence au Seigneur Dieu, pas abandonner nous. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nabdou, bye bye, au revoir et à vendredi prochain. Pas oublier, rendez-vous nous. Vendredi et samedi matin et méditation du week-end. Pas oublier avec nous toujours méditation du soir. Et puis, méditation de la semaine. Que mon Dieu bénisse nous. Et puis, pas oublier, rendez-vous nous, prédication, enseignement. Donc, bon Dieu bénisse nous, n'abkèm mes contacts. Et pas oublier, si vous avez des questions, capable les mains, si vous avez besoin d'aide, prière, ou besoin de conseils, ou capable les le pasteur Claude-Emmanuel Camille. M'a font plaisir pour me répondre. Si je ne peux pas répondre sous place, je toujours chercher, même quand je n'ai pile monde qui a pris les mains, je toujours créer un moyen pour me répondre. Parce que, émission en ligne existait, chaîne YouTube moins existait, c'est grâce à vous-même qui suivez moi et c'est grâce à vous-même qui supportez. Que bon Dieu bénisse, au revoir, à la prochaine, à vendredi prochain, Kébéla, et déjà souhaitez-nous un bon week-end.